pour un nouvel épisode sur PokéMémo. Alors, il y a eu quelques soucis, je suis un peu dégoûté, hein, s'il faut dire ça, faut le dire comme ça. J'avais tourné l'épisode sur la route de la victoire et malheureusement, bah, a plus d'épisode. Donc, je suis un peu beaucoup dégoûté. Donc, du coup, bah, on continue notre petite aventure. Alors, j'ai laissé Noctalie en tête. Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. En tout cas, j'en ai totalement rien à foutre. On va mettre Dracaufeu. Dracaufeu, tu vas me suivre. Et on va faire la ligue Pokémon. On va commencer tranquillement. J'ai envie de voir. J'ai envie de prendre ça comme un test pour voir si la team en elle-même marche. On va juste regarder un peu combien... Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Alors, on a un rappel max, deux rappels. Ça devrait pas tellement suffire. On a qu'une guérison. On n'a pas tellement beaucoup d'argent. On va voir un peu ce qu'on peut acheter. Alors. Ça, je m'en fous. Non, acheter. Voilà, alors. Je pense qu'on peut essayer de s'en acheter genre 30, 10, voilà. Des rappels, on va peut-être s'en acheter encore 5. Il nous reste 25 000. Voilà, allez. On va tester. Écoutez, c'est qu'un test. Si j'y arrive, c'est parfait. Si j'y arrive pas, tant pis. Allez, yes, it's good. Au revoir. Hein. Alors, bonjour. Je m'appelle Wayland Smith. Je viens te défier parce que je pense pouvoir t'exploser. Alors, est-ce que j'ai fait le bon choix de mettre Dracaufeu tout de suite? Je ne pense pas. Surtout quand on voit Lamantine en face de nous. Elle fait un petit lance-flamme. Voilà. Non! Oh non, mais okay. C'est une connerie totalement. J'ai laissé mon pouce sur le A. Bah oui, guérison. Je crois qu'on va faire un petit changement. Pokémon! Noctalie, go! Et bah oui, si on met un Noctalie alors qu'en face nous avons du petit Pokémon, ça devrait le faire. Alors tu utilises Surf. Normalement. Il y a de la résistance, voilà, c'est plutôt bien. Morsure. Et là, ça va commencer à faire bien mal. Là, je le sens. Voilà, tu meurs. T'as rien à dire. Hop, bon, le Machoc va passer des niveaux, va pas tarder à évoluer. C'est un peu l'effet que je souhaite avoir. Morsure encore. Laser glace. Pourquoi pas? Retour. Ah ah! Ok. La cerclasse. Morsure. Haha. La cerclasse. C'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Retour. Haha. Machoc qui passe donc pas de level. Bag. Alors, on va utiliser notre première guérison. On va la mettre sur Noctalie. Donc laser glace. Aïe 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 aïe. Il y a beaucoup de laser glace, trop de laser glace, j'aime pas ça. Le morsure. Alors j'aimerais bien que quand tu utilises morsure, tu retires un peu. Enfin tu veux pas retirer un peu de points de vie, mais que tu les fasses un peu peur, tu vois. Que tu leur fasses un peu peur. Parce que là j'en ai marre de que tu prennes des dégâts pour rien. Alors. Crustabri. Morsure. Ballon, moi. Plongée, bah oui, mais on me sort toutes sortes d'attaques, c'est assez drôle. Ballon, moi. Ah, c'est plus puissant quand même, ballon. On va faire vive attaque parce qu'il est en dessous de l'eau, on peut pas vraiment faire grand chose. Ça ne fait pas trop mal, fort heureusement. Ballon, moi. J'aurais dû utiliser ballon depuis le début, en fait. Voilà, ok. Lipoutou.
Alors c'est parfait parce que c'est un Pokémon 6 si je me trompe pas. Voilà, super efficace. Le one shot, on finit bien, on peut utiliser encore deux guérisons. On a battu le premier conseil 4, enfin le conseil des 4. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Et Machoke qui évolue, Hey, je vous emmerde, vous qui m'envoyez des Skype. Oh, Machoke. Oh yeah, ça c'est bon ça, ça c'est bon. Yes, very good. Ok, alors on va faire une petite pause comme j'ai l'habitude de faire lorsque je fais le conseil 4 pour soigner un peu tout le monde. Alors, voilà. Et voilà. Bien. Voilà, on a tout le monde qui a bloc et tout, on est déter. C'est quoi ça? On va laisser Dragon. Oh, si c'est des types. Oh là là, si c'est des types combat, ma gueule. Oh là 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 là. Oh là, on va se faire plaisir avec Dracaufeu. Ah, le Dracaufeu va se faire vraiment plaisir. Ça sent les types combat ou les types proches sol. Les types proches sol, ok. Je me fais moins plaisir d'un coup. Dracon Gif. Tomber roche, ok. On va devoir changer déjà. Ouais, non, on peut pas le laisser. T'es niveau 45. Alors j'espère qu'il va. Franchement, j'espère que ça va passer avec Tentacruel. Là, d'un seul coup, j'ai énormément peur. Tomber roche. Ok. Allez, de toute façon, c'est. Surf. Tu vas mettre qui, Kikli? Allez, me bouffe. Vibra quoi? Rends-le confus, ça serait cool. Non, il peut pas. Rends-le confus, j'ai dit. Oh! Non! Mais non, je sais pas ce que je voulais. Bon, c'est pas grave. On a encore un rappel, je vais pas trop m'inquiéter. Dracaufeu qui peut faire son lance-flamme sans trop de difficultés. Alors. Il envoie un Mâconnur. Bah nous on va tisser des. Tomber roche. Voilà, il nous loupe. Ça, ça doit être son Pokémon le plus puissant. On le one-shot, c'est parfait. Que demander de plus? Clairement, que demander de plus? Tout va bien pour l'instant. Enfin, c'est bien ce que je pensais, c'est bien les Pokémon de type combat contre qui on devait jouer. Là, c'est un peu mieux pour Dracaufeu. Par contre, pour l'Onix, bah, on a le Machoper. Ouais, on va envoyer un Machoper niveau 30, ça va être cool. C'est moi qui vous le dis. Hein. Sinon, on a le Grolem encore. Ah, intéressant, mais Grolem n'est que niveau 26. On va envoyer Noctalie, on va. Je sais pas ce qu'on va faire. c'est peut-être le Pokémon le plus problématique là pour l'instant. Bon, il nous fait pas tellement mal. Alors, une morsure, ça fait quoi? Ça va. Ah, en plus, il lui fait peur, il lui fait peur. Le gars a deux Onix. Pourquoi pas petit séisme? Voilà. Le gars avait quand même deux Onix. Hein. Moi je dis ça, j'ai rien. Oui, si c'était guérison, c'est ça. De toute façon, je te fais mal. Alors, on va. Je sais pas si ça. J'espère que ça va marcher. Ça sera vachement cool. Oh oui. Oh oui. Alors là, vas-y. On va lui faire utiliser toutes ses guérisons. La balle ombre enlève la moitié de sa vie. Voilà. Ah, c'est tellement bien, balle ombre. Franchement, je suis pas déçu de l'avoir mis sur Noctalie. Ça lui donne un peu plus d'attaque alors que à la base Noctali est quand même basé sur de la défense. Là il peut vraiment faire quelques dégâts. Et voilà, ça se termine comme ça. On a donc un rappel. Voilà, le deuxième on l'a fait sans aucun souci. C'est plutôt bon, c'est plutôt bon signe pour l'instant. Alors, on va faire un rappel sur Tentacruel. Oui, alors on a des hyper potions, on va peut-être privilégier les hyper potions. Chose que je n'ai pas fait tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Ok. Bye bye. Thank you. Allez, on bouge. Bien. Alors, nous en sommes là. Ah ah.
On va laisser Dracaufeu. C'est pas. Voilà, là on. Plus ce type ténèbres, spectre. Donc on va peut-être laisser Dracaufeu. Ça serait peut-être quelque chose de plus cool à faire en fin de compte. Là, le fait de le laisser, ça. Il va pouvoir utiliser ses lance-flammes. Je vois pas trop de danger en fait là. Ça va être plutôt du one shot. Ça devrait être le match un peu plus facile. Lance-flammes. Son ectoplasma, il va pas faire long feu. Voilà. Ça va être quelque chose comme ça. Donc là, le match, normalement en lui-même, c'est. J'ai toujours trouvé facile en fait ce conseil des quatre. Du moins, ce membre-là, j'ai toujours trouvé facile. Parce qu'à la base, on donne quand même soit un Salamèche, Carapuce ou Bulle Bizarre. Et en fait, les trois peuvent vraiment faire de lourds dégâts face à eux. Donc, du coup, autant en profiter. Voilà, là, déjà trois Pokémon, on s'est pris zéro coup. C'est un perfect match. Que demander de plus? Clairement, que demander de plus? Le Barbock, bon, Pokémon Poison, on change un peu. Mais toujours aucun gros réel danger en fait. Ah! Il a résisté, autant pour moi. Ah bah, du coup, une guérison. C'est bizarre qu'il ait résisté. Dracaufeu, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il fout le Dracaufeu là? Bah, Chopper qui passe niveau 32. On finit avec un Nosferalto. Bon, c'est un Nosferalto, c'est pas le Nostanfer. Donc là, limite, s'il résiste, je me pose des questions. Voilà. Je préfère ça. Voilà, là, ça se termine plutôt bien. Voilà, aucun problème. Hein. Clairement, aucun problème. On va utiliser une super potion. Voilà, dessus. Puis on avance. Clairement, on avance tranquillement. Peter, si je me trompe pas. Là, ça va un peu être un peu plus compliqué. Pokémon de type dragon. Le dernier. Hello. On va laisser Dracaufeu qui a quand même un Dracaurif. Je pense que ça pourrait être intéressant. Par contre, je n'ai pas. Contre le Simien Léviator, ça va être un peu problématique. Pourquoi pas? Vas-y. On va utiliser une C. Tira. Ah ouais. Pouvantique. On va voir si tu vas faire le malin face à mon Pokémon, à mon Tentacruel. Non! Mais non, je me suis encore fail! Oh, bon, c'est pas grave. Grolem. J'ai pierre! Non, mais t'es sérieux? Tu fais pas d'ultra laser, mec! Mais c'est moche! Bah, Chopper, la 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 la. Bah, Chopper, le match Chopper qui va te. Je ferme ma gueule. Je vais finir par fermer ma gueule. On a perdu 3 Pokémon, je suis pas d'accord. Bon, c'est pas grave. Noctali, let's go. Noctali, tu vas leur apprendre le respect, je pense. Tu vas leur faire. Alors, Balombre. Dracolos. Bah oui, pourquoi pas, mais vas-y. Ah, c'est vraiment conseil des. Vous êtes sérieux? Je fais que ça? Retour. On va faire un peu de bague là. Hop. Normalement, il va être. Voilà, il est confus. On va faire en profiter. Vive attaque. Oui, mais non, mais encore une guérison, c'est pas possible. Ah là, ça commence à se compliquer, j'aime pas ça. Allez, encore des morsures, vas-y. Ah la morsure, y'a rien de mieux en fait. Hyper potion. On va devoir jouer comme ça, hein. C'est.
Mais hé, c'est fini les coups critiques là. Bordel. Allez. Morsure, je t'ai dit, t'es mort. Bim. Dracolos mort. Je crois que c'était son meilleur Pokémon en plus. Donc t'as eu plus 2000. Wouah. Bye. Hyper potion, Doctali. Faut que je réussisse à battre Terra et... Terra et Léviator en gros. Ballon moi. Morsure. Tu mets qui encore? Léviator, ok. Ça par contre c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais mais non, mais s'il fait de l'intimidation ça va être chiant. Oh là là. C'est... Je déteste ce match, c'est vraiment l'un des plus chiants en fait. Enfin c'est un match que je trouve vraiment lourd et chiant. Quand on n'a pas de quoi les contrer là, Dracorage, ok, il est encore mignon. Ballon moi. Ok, Dracorage. Morsure. On va essayer de les... Bague. Autant jouer comme ça, j'ai pas trop le choix. On va devoir utiliser, c'est vraiment... Il manque un terrain, mais... Ballon moi. Ah ouais d'accord, en fait le mec fait utiliser full ultra laser, pourquoi pas hein. Allez bim, hop ta défense P baisse, va être une morsure. Vous critique. Oui, le Ptera est mort. Ça, c'est plutôt bon là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Mini Draco, on va réfléchir, on va réfléchir. Retour. On va peut-être essayer de le jouer en retour. Dracorage. Ouais, on va essayer, on va faire ça. Je pense que c'est un bon choix. Dracorage, retour, voilà. Retour. Ça. Coup critique à la fin. Ça, c'est bon, ça. Ah, le Noctali, incroyable. Dracofeu. Autant jouer un peu le Dracofeu. Le pauvre. Colère. Oui, hop, bah c'est en fait le souci que j'ai là pour Noctali, c'est qu'il a plus beaucoup d'attaques, donc ça va commencer à être vraiment compliqué. Dracogriffe, autant en profiter. Le one shot, c'est magnifique. Allez, Léviator. Dracorage. Ça passe, voilà, il a utilisé toutes ses guérisons, on a eu un net avantage sur lui. C'était le match que je déteste énormément. Ok, merci beaucoup. Maintenant, t'es battu. Ok. Ah, on apprend que c'est Jasvir qui a gagné. Oui, pourquoi pas. Tentacruel. Alors, nous avons une... Alors, il va nous rester à peu près que des... Hop. Voilà, il nous restera une hyper potion. Alors, qu'est-ce qu'il va... Il va pas faire jouer son gros Pokémon, je pense. Allez, c'est parti. C'est un test, on arrive jusqu'au maître de la ligue, c'est plutôt bon. Hey, William Smith, I won't look forward to seeing you, William Smith. My rival should be strong to keep me sharp. While working on my Pokédex, looked all over for Pokémon. Note, unlike that, I get some teams of that. Voilà, nanana. T'es champion, ouais, moi je suis là, je vais te détrôner parce que c'est moi, William Smith. Et tu vas pas trop kiffer ça, je pense pas. Allez là. Il commence avec un roux carnage qu'on peut one shot facilement. Lance-flamme. Ouh. Ça fait peur le lance-flamme hein. Aéropiqué. Dracorif. Oh, déjà une guérison. C'est pas grave. Lance-flamme. Il nous reste déjà plus beaucoup d'attaques lance-flamme.
On va faire gaffe, faudra faire gaffe. Ok, Tortank. J'ai pas tellement de contre contre Tortank. Je préfère envoyer mon Octali, on va jouer défense contre défense. Je pense que c'est... On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Hydrocanon, pourquoi pas. Retour. Hydrocanon. Ah. Retour. Hydrocanon. Vive attaque. Voilà. Il a plus beaucoup d'hydrocanon normalement, c'est son dernier. Bah non. Ah, il a peut-être. Oh, quoique c'est un IA, il a tout, on s'en fout. Come back. Rhinophéros. Tentacruel. Je suis pas du tout confiant là. Séisme. Tentacruel est mort. Je m'en doutais. Ah, je m'en doutais, mais royal quoi. Et là, on est encore sur un Pokémon qui va me poser problème. On va tenter un rafale feu. Vol. Quoi, mais mec, arrête! Le mec, il joue. Il a un bug là! Vas-y, dégage. Boum. Au revoir, Arcana. Ça fait 2-1 pour moi. Pour l'instant, tout va bien. Je pense qu'on est plutôt dans la période où on gère un peu. On gère un peu. Dracogriff. Ah, c'est pas très fort, Dracogriff. Oh, super, il a loupé son attaque. On peut en profiter. Dracogriff encore. Tomber roche. Une attaque genre hypnose ou autre. C'est l'heure d'utiliser le rappel max. Yeah. Ah c'est bien, il se tape lui-même. Bah c'est parfait. Ça va nous aider. Ah ouais, il met Draco feu direct. Mais putain, c'est quoi ce truc? Vas-y le gars. Ouais, faut se calmer un peu hein. Mon Dracofeu il prend cher hein. Guérison. Quand même si c'était pas assez facile, faut qu'il utilise une guérison le mec. Oh, ça se complique, le Rhinophéros est vraiment super puissant. Waouh. Là c'est chaud là c'est chaud. Noctali revient à la vie. Noctali revient à la vie. Tu te fous de moi ou quoi? Il a combien? Mais le mec il a combien? Mais c'est pas normal. Ouais bah, c'est longtemps comme ça. Je le sens bien. Le mec a 4000 séismes. Alors attendez, si je me trompe pas. Non! Tu te fous de ma gueule! Bon, mort sûr. Le mec a 4000 séismes, c'est pas possible quoi. Je sais pas. Tant le faire, j'ai pas trop le choix. Heureusement qu'on en a pris beaucoup. Et le gars a 4000 séismes, mais c'est pas normal! Ah bah oui. Ah, noix de coco.
Ah, j'aurais dû faire ça avant. Allez, viens, je t'attends, là. Tu vois, ça va faire 4-3 pour toi. Vas-y, voilà. Lance-flamme. Voilà, lui, il est mort. Encore 3 Pokémon, les gars. C'est dont Tortank et dont le Pokémon horrible de l'autre, là. Rhinophéros. Il le renvoie encore. Moi, je m'en vois, là. Attends, Oh! Mais putain, il le one-shot! Le gars one-shot mon Pokémon! Il me reste 2 rappels! Oula, faut que je joue bien là! Bélier, alors là, mais pourquoi il se tape pas? Ballon, moi. Et là, là, ça va être plus drôle. Voilà. On a retrouvé des PP ballon, je pense que c'est un bon choix stratégique. Kenkul. Kenkul. Je ne vais pas prendre la canicule, je verrai plus tard, mais j'adore par-dessus tout le lance-flamme en fait. Je suis désolé pour ceux qui aiment la canicule. Ballon, moi. On va faire gaffe, hein. Taré, mais c'est pas normal, le gars. Morsure. Waouh, c'est vraiment de la pure défense. Allez. Non! Mais non, pas de la guérison, s'il te plaît. Fais des retours. Allez, balance tes retours. Allez, il va augmenter sa défense. Mais à côté, je vais pouvoir bien le taper. Ah, il est en... Alors, c'est du 2 contre 2. Ballon, moi. On va fermer les ballons, je pense que c'est un bon choix. Voilà, on va... En fait, le truc, ça serait de réussir à lui enlever de la... De la défense spéciale pour le ballon. Coup de crâne. On va utiliser... On va jouer vraiment... Voilà. Guérison, on est sûr qu'il le battra pas. Il peut pas le one-shot. Il a pas les techniques pour, en fait, voilà. C'est vraiment chaud, mais là, là, ça... Il y a un petit retournement de situation grâce à lui, le max. Voilà. Allez. Non, mais non, t'as combien... Mais le mec, il a combien de trucs comme ça, quoi? Sérieusement. Oh, putain, il augmente encore sa défense. Je me demande combien de guérison il a, en fait, pour son Pokémon. Vive attaque. Ah ouais, d'accord. Vive attaque qui enlève plus du tout de dégâts, en fait. Bon, on n'est pas en obligé. On va devoir jouer en ballon, bon. Voilà. Lui va jouer en coup de crâne. Ballombre. Ballombre. Voilà, sa défense qui baisse enfin. Oui! Oh putain. Oh oui! Il reste à la Kazam. Merde. On va faire. Guérison. Gressan Alakazam, Psycho, ça m'affecte pas. Alors là, on a un gros avantage, c'est que son Alakazam, en fait, a des sorts qui ne peuvent pas m'atteindre. Regardez, son Psycho est totalement inutile, d'où l'utilité du Noctali. Par contre, nous, le morsure marche très bien. Et normalement, c'est gagné. Oui, c'est bon, ça. Voilà, oh putain, on l'a battu. Oui! Oh là 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 là, il était une fin! On a enfin réussi, les gars. Allez, laisse-moi atteindre. Oui! Bonjour! Comment ça va? J'ai battu ton neveu! Et ouais! Fuck! Allez, hop! Oui, oui, c'est bien. Oui, you're a little pretty round. C'est la joie extrême. Oh là 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 là. J'en ai des frissons, les copains. On est enfin maître de la ligue Pokémon. Hey. Voilà. Bon. Oh là là. Hall of Fame.
Bonjour. Tu devrais te reposer. Ouais, merci maman. Comment ça se fait que j'atterris ici? Bonjour, bon là, il n'y a personne. Bonjour. Eh, au vieux là. Je crois que je me suis fait biture en fait, les gars. Je crois que je me suis fait biture. Joueur. Ouais, limite, vous voyez, j'ai gagné que dalle en argent contre. Bon bah c'était bien cool, voilà c'est terminé. Je pense que c'est terminé du tout, du coup pour ce playthrough. Ah ouais, je pense que c'est bien terminé pour ce playthrough. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette petite aventure à mes côtés sur l'univers de Pokémon Rouge Feu et de Verfeuille. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait ces petits développeurs. Et toutefois il y a peut-être une nouvelle aventure qui risque de commencer là. J'ai entendu parler de Pokémon, comme quoi il y aurait Pokémon Emerald, je vais voir un peu ce que ça donne. Je vous tiens au courant les amis. Peut-être qu'il y a une autre aventure qui suit derrière, je sais pas, je trouve qu'on nous a lâché un peu comme des merdes. Même là, est-ce que... Il y aura encore peut-être des vidéos à mettre. Je pense que vous devinez lesquelles, on n'a pas tout fait. Il y a encore quelques petits trucs à faire en... hors série, mais voilà, c'est l'aventure principale est terminée. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était une belle aventure, une belle petite aventure. On a eu la perte de Jazvir, c'est pas grave. Hein. On a réussi à faire un petit retournement de situation, à bosser comme il faut. Et puis voilà, moi, je pense qu'on va se retrouver sur Pokémémo bientôt. Ça pourrait être une bonne chose. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon jeu. Et je vous dis à bientôt. Bye. Pour une nouvelle aventure. Peut-être Pokémon Emerald en Pokémémo. Ouais, Pokémémo. Allez, bonjour à toutes et à tous.